à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un essai très musclé avec la superbe Mercedes E63S AMG. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à faire tout de suite sur le petit bouton, n'oublie pas la petite clochette des notifications. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Passons à la voiture. La Mercedes E63S, celle-ci c'est le facelift de la version qui a été lancée en 2017. Avant 2017 c'était vraiment la plateforme qui était d'ancienne génération, là c'est la nouvelle plateforme. On est sur la E63S qui a été lancée en 2017, mais celle-ci bénéficie du facelift qu'il y a eu en 2020. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que c'est la E63S AMG? C'est tout simplement la version la plus musclée, la plus sportive, d'une des berlines les plus vendues au monde, que ce soit des taxis ou des routières, etc. La classe E de Mercedes qui est apparue il y a bien longtemps. Mais elle a changé. Et regardez, sur ce facelift 2020, donc déjà, on a une option à 3 400 € qui s'appelle le bleu brillant Magno Designo. En français, ça veut dire bleu satiné. C'est la même couleur qu'il y avait sur l'essai de l'AMG GT63S. Si vous ne l'avez pas vu, il s'affiche là. Et ça lui va très bien. C'est pas la couleur la plus discrète, mais ça fait tellement ressortir les lignes tendues de la voiture que ça me plaît beaucoup. Seul défaut de cette couleur, c'est très très salissant. Je l'ai lavé il y a 20 minutes avant le tournage. Et regardez, c'est déjà sale. Mais bon, si t'aimes laver ta voiture, prends cette couleur, tu vas kiffer. Donc on a un facelift. Les feux avant ne changent pas trop. En revanche, la calandre, ici, la grille à l'avant, est nouvelle. Au lieu d'avoir une calandre avec juste deux branches horizontales au milieu qui est un peu orientée vers le haut, celle-ci hérite de la calandre Panamericana A12 lamelles avec l'immense étoile au milieu qui est un petit peu inclinée vers le bas. Et ça, ça lui donne vraiment un avant beaucoup plus agressif. Ici, ça change pas trop, on a toujours des grandes prises d'air et un design qui est sculpté avec une lame avant qui est vraiment très jolie. Ici, le bleu satiné et le noir brillant, ça fonctionne très bien ensemble. En général, je suis pas fan des packs noir brillant, mais ici, ça fonctionne très bien parce que justement, ça contraste beaucoup avec la carrosserie et c'est tellement dessiné que j'adore. Et puis, il y a toujours des petits chromes, moi j'aime bien. On a un capot très bombé, très musclé. Tu vois ici les deux nervures qui sous-entendent que dessous, il y a un gros moteur. Ça, on va y revenir. Ici, on a les petits badges V8 biturbo 4MATIC Plus. Donc en fait, un des plus gros points forts de cette voiture, et ça, on va y revenir pendant la conduite, c'est son système 4 roues motrices intelligent. Voilà, le profil, c'est vraiment la classe E. C'est une berline pour voyager A4, voire A5, tu peux mettre une cinquième personne sur la banquette arrière au milieu, ça on va le voir. Et c'est vraiment surtout, je trouve, l'arrière qui change sur ce facelift. Donc au lieu d'avoir deux gros phares séparés dans les ailes arrière, on a maintenant des phares horizontaux, beaucoup plus plats, beaucoup plus fins, qui rendent l'arrière plus élégant, plus plat, et qui donnent une impression de largeur à la voiture assez impressionnante. Et cette fois-ci, les phares dépassent sur la malle de coffre, alors qu'avant, ils étaient séparés. On a une immense barre de chrome. Mercedes, ils kiffent bien les chromes. Ça tombe bien, moi aussi. Badge AMG E63S. L'arrière, il est très sobre, dans le sens, je veux dire, c'est pas des formes extrêmes, comme peuvent l'être, par exemple, certaines RS chez Audi. Ici, petit diffuseur en noir brillant avec une barre de chrome. Et ces sorties d'échappement, on dirait des sorties de fusée, c'est magnifique, mais c'est pas des vraies sorties à l'intérieur, tu vois. T'as la sortie d'échappement et ça, c'est juste des canules d'échappement. Globalement, pas forcément avec le facelift, mais sur cette génération, je trouve que le design, c'est quand même beaucoup passagier chez AMG, avec des formes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus consensuelles, et surtout l'arrière, en fait, je trouve que c'est une voiture, on dirait, un petit peu comme la nouvelle Classe S, je sais pas si vous l'avez vu, qui a été dessinée pour être vendu sur le marché chinois, parce que c'est des designs que les Asiatiques aiment bien. Elle perd un petit peu en caractère, elle devient un peu plus subtile, mais ça devient du coup un peu un sleeper, c'est-à-dire que si elle n'était pas dans cette couleur avec les jantes noires et trier rouge, tu passes inaperçu. Mais t'inquiète pas, sous le capot, il y a ce qu'il faut. Il y a le V8 4 litres biturbo qu'on retrouve dans la MGGT, dans la MGGT63S, en fait dans toute la gamme 63 de chez AMG. Et il développe dans cette voiture 612 chevaux, 850 Nm de couple. C'est énorme, un petit peu moins puissante et un petit peu moins coupleuse que la MGGT63S. Distribué aux 4 roues motrices, ça je vais y revenir. Les roues, on en parle tout de suite, ces jantes. Moi j'adore, elles sont sublimes. Je suis pas fan des jantes noires en général, comme je suis pas fan du noir brillant, mais ici ça marche super bien. Les étriers, ils freinent des disques en acier de 390 mm à l'avant, 360 à l'arrière, et en option tu peux opter pour les énormes carbone céramique de 402 mm à l'avant. Là où Mercedes a fait vraiment très fort, c'est l'intérieur qui a été upgradé. Je vais vous montrer l'intérieur. Déjà, on s'attarde 2 secondes sur la porte, regardez-moi ce travail. Mercedes, c'est bling bling hein. Il y a du chrome, il y a du carbone, c'est brillant, c'est beau, ça brille. Tu sens que t'en as pour ton argent en fait. L'argent, on en parle dans 2 secondes. Mais il y a vraiment une impression de luxe que Mercedes surpasse les autres marques dans ce domaine, je trouve. Cette impression de luxe. Tu vois ici l'option Sono Burmeister
qui est une option à quasiment 5000 euros. Hein. On a du carbone, on a du cuir, des surpiqûres jaunes. Dans celle-ci, on a les sièges baquets, je vais y revenir pendant la conduite, qui sont très très beaux. Petit sigle ici d'AMG à Falterbach en Allemagne. Les inserts dans les baquets, petit sigle AMG, cuir Alcantara, cuir perforé, ce sont des sièges chauffés et ventilés. Et on a les surpiqûres jaunes et les petits liserés jaunes ici, ça c'est vraiment joli. Ça rappelle un petit peu la déco AMG GT Pro sur les AMG GT. Seuil de porte en alu éclairé avec le sigle AMG. On a un pédalier en alu avec des petits picots antidérapants pour les chaussures. Et voici le nouvel intérieur. Alors, nouveau, si vous ne connaissiez pas l'ancienne, vous allez vous dire c'est quoi qui est nouveau, je vais vous expliquer. Déjà ici, on perd la molette rotative qui permettait de contrôler l'ordinateur de bord. D'ailleurs, je vais allumer tout ça. L'ordinateur de bord sur l'ancienne génération, c'était vraiment chiant à utiliser. Il n'y a pas d'autre mot, cette molette, c'était un enfer. Maintenant, on a un petit pavé tactile avec lequel on peut cliquer. Et ici, de part et d'autre de ce pavé tactile, des boutons qui sont spécifiques à l'AMG. On ne retrouve pas ça sur une classe normale. Tu peux mettre ton téléphone dans cette trappe, le charger via induction, le brancher pour avoir Apple CarPlay. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est cet immense écran. En fait, il y a deux écrans de 12,25 pouces chacun qui sont reliés dans une immense dalle en verre qui est hyper qualitative. Deux écrans tactiles qui ont une définition magnifique. Donc tu peux les contrôler via ce petit pavé tactile, tu vois. Hop, ça marche très bien. Mais tu peux aussi le faire via l'écran. Et ça, c'est vraiment bien parce que de temps en temps, avec le pavé tactile, tu sais pas trop comment sélectionner les petits boutons, etc. Là, il n'y a pas de souci. Hop, tu peux toucher. Nouveau volant, très sport, avec double branche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la MG GT63S, ici, les parties étaient en alu satiné. C'était très joli. Là, on perd ces parties en alu. On a deux doubles branches avec des boutons sans délimitation. C'est tactile. Ça marche en les touchant et en même temps, tu peux appuyer. Avec cette partie sur la gauche, ici, tu vas contrôler les combinés d'instruments ici. Et avec cette partie sur la droite, tu vas contrôler celui-là. Donc, tu peux régler tous les affichages. Tu peux régler l'affichage tête haute, qui est très joli. Là, c'est le contour version racing. Tu as plein d'affichages. Tu as évidemment toutes les aides à la conduite, régulateur de vitesse, adaptatif, etc. Et ce que j'adore, c'est ces deux boutons. Alors, pour ça, il faut démarrer la voiture. Qui sont des écrans. Donc, déjà, c'est très, très joli. Et qui te permettent de sélectionner les différents modes de conduite ici, via la rotation. Et ici, un bouton qui te permet de sélectionner tout ce qui est présélectionné dans les modes de conduite. Et en fait, tout ça, c'est réglable là, ce petit bouton. Donc là, ça tourne pas, mais en appuyant sur l'écran, là, je peux régler la boîte de vitesse, le start and stop, l'anti-patinage, les suspensions. Et ici, hop, je règle Sport Plus, normal. Et ici, je peux régler autre chose, l'échappement. Hop, j'ouvre l'échappement. Et ça, c'est génial. Tu peux te mettre en mode confort, ouvrir l'échappement, tout ça sans enlever les mains du volant. Ça, bravo. On a des nouvelles palettes qui sont encore plus grandes, pour plus de sportivité selon Mercedes. Mais c'est juste très sympa et c'est des vraies palettes en métal. Elles sont vraiment sympas et t'as un vrai clic assez franc. Le volant est encore plus large qu'avant, la jante est vraiment très épaisse. Ici, on a de l'Alcantara. Alors, Alcantara, c'est une marque. Alors, c'est pas de l'Alcantara, c'est du Dynamica, mais c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est pas la même marque. Alcantara, c'est une marque, Dynamica, c'en est une autre. On a du Dynamica, du coup, voilà. Au niveau où les mains tiennent la jante du volant, du cuir ici, les surpiqûres, enfin, le travail est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Petit bouton start qui est ici. Hop. Donc avant qu'on prenne la route, je vous parle tout de suite du prix. C'est le moment où je sors la fiche technique, en fait c'est pour l'addition. Hein. Prix de base 139 000 euros cette E63S. Et sur celle-ci on a 20 000 euros d'options. Les options les plus chères étant le système audio Burmeister qui est à 4 899 euros. La peinture à 3 400 euros. Le pack siège performance, les baquets qui sont à 3 900 euros. Moi si je configurais ma E63S, il y aurait franchement 10 000 euros d'options que j'enlèverais de celle-ci. La peinture, les sièges baquets, ça je vais y revenir, et la sono Burmeister parce que les sonos de base sont quand même très bien, même si la Burmeister est exceptionnelle, c'est des options que je trouve pas indispensables. Prix de base de celle-ci, quasiment 140 000 euros, et celle-ci, prix définitif, 160 000 euros. Donc la E63S fait 4,99 m de long, donc quasiment 5 mètres, 1,90 m de large. C'est une voiture qui est très grande, mais sur cette AMG, on n'a pas les roues arrière directrices. En ville, elle sera moins agile qu'une voiture du même gabarit avec les roues arrière directrices. Ça, c'est dommage. Une tonne 9, c'est un beau bébé. On est quand même un peu moins lourd que la AMG GT63S. Comme c'est une vraie berline, on a un très grand coffre, je vous affiche le volume de contenance du coffre, dont les sièges, en plus les sièges peuvent se rabattre, donc si tu veux transporter des planches ou des meubles Ikea, il n'y aura pas de problème avec ta E63S. Le coffre est vraiment très grand, malle de coffre électrique, évidemment, ça c'est toujours sympa. On écoute la sonorité avant de partir. Très discret le démarrage en mode confort. On écoute la sonorité avec les valves fermées. On sent qu'il y a un gros moteur, mais on entend les turbos.
c'est discret. On a un rêve limiteur assez tôt. Ça c'est dommage. Bon, on passe tout de suite clapet ouvert, mode sport plus. Ça en fait, mais j'ai l'impression que ça en fait un petit peu moins fort que sur la AMG GT 63S. Allez, on y va. Commençons par le mode confort sur cette E63S. Vous allez tout de suite comprendre ma principale critique et le principal défaut de cette E63S. C'est que c'est une berline routière qui a été coursifiée, sportifiée au maximum. Le but, c'est quand même pas de lui enlever sa caractéristique première de routière et ses qualités qui sont censées être le confort. Pour moi, en premier, une berline comme ça, c'est censé être une voiture confortable. Après, si elle est sportive, efficace, tout ça, on verra. Mais elle doit être confortable. Là, on est en mode confort avec les suspensions confort au maximum. D'ailleurs, Mercedes annonce qu'avec la version facelift, la E63 est encore plus confortable qu'avant. Le problème, c'est que celle-ci dispose des sièges baquets qui sont assez fins, très raides, et que la suspension, même en mode le plus confortable, est quand même assez calibrée sport. Et le problème, c'est que si la route, c'est pas un tapis de velours ou un circuit, ce qui n'est jamais le cas en France, on a pas mal de vibrations dans la voiture, on sent toutes les aspérités de la route et la suspension est, je trouve, tout simplement trop raide. Je pense que prendre les sièges confort corrigerait en partie ce problème. D'ailleurs, je vois pas l'intérêt de prendre une berline comme ça et de mettre des sièges baquets de course dedans. C'est très très beau, mais c'est pas confortable en fait. Moi, je veux une E63 avec des sièges un peu enveloppants, un peu confortables. Limite les sièges massants, tu vois. Mais bon, ça va peut-être être un avantage pour la suite de la vidéo. Donc là, en mode tout confort, échappement fermé, la voiture est silencieuse. On entend juste un peu les pneus, les suspensions qui travaillent, qui rebondissent sur les aspérités. Mais le moteur se fait très discret. D'ailleurs, c'est un moteur qui peut faire de la désactivation de cylindres. Donc à faible charge, ça va être un 4 cylindres. Il va fonctionner que sur 4 cylindres. Et dès que tu vas redemander un petit peu de puissance, les 8 cylindres vont s'activer et la transition est imperceptible. Là, on va rester en mode confort, mais on va ouvrir d'une petite pression sur le bouton d'échappement. Histoire qu'on entende quand même pourquoi on a payé 160 000 euros. Et contrairement à la AMG GT 63S que j'avais essayé, l'échappement est plus discret ici. Hein. En plus de ces nouveaux écrans qui sont magnifiques, Mercedes a ajouté de l'intelligence artificielle au système qu'ils appellent MBUX. En fait, ça, c'est le MBUX, hein, leur nouveau système multimédia. Et dedans, tu sais, il y a les commandes vocales dans toutes les voitures maintenant. Mais Mercedes a ajouté sa dose d'intelligence artificielle pour que la communication avec la commande vocale soit plus fluide. Du coup, maintenant, il suffit de dire « Hey Mercedes » pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur de bord. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois ? Et je parlais à la caméra, j'étais pas sonné là. Et en fait, dans leur communiqué de presse, ils annoncent que l'intelligence artificielle qui nous parle est passée du vouvoiement au tutoiement du pilote pour rendre cette communication plus intime et plus émotionnelle. Je vous jure, c'est ce qu'il y a décrit. Mais à quel moment tu vas avoir une relation intime et émotionnelle avec l'ordinateur de bord de ta voiture? Moi, j'ai payé 160K, j'ai mis 160K sur la table, j'ai envie qu'on me vouvoie, bordel. Bon allez, la route se dégage un petit peu, on va passer en mode sport, on tourne d'une pichenette sur le côté. Tout de suite, on a une allonge. Donc à ce moteur, à ce V8 biturbo de 4 litres, est couplé une boîte automatique à 9 rapports. 9 rapports, c'est énorme, mais ça permet d'avoir un régime vraiment bas quand on cruise sur l'autoroute et de consommer moins. Mercedes annonce 12 litres au 100 de consommation moyenne. Donc en sport, ce qui est étonnant, c'est que de base, l'échappement n'est pas ouvert. Donc on va l'ouvrir. La suspension, c'est une suspension pneumatique adaptative qui est réglable sur 3 niveaux de dureté. Et donc là, en mode sport, la boîte rétrograde un petit peu plus facilement. Et le moteur est un petit peu plus répondant. En fait, ça change la carto de l'accélérateur, tout simplement. Regarde, là, des pavés en mode confort. Bon, c'est des gros pavés, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est le château de Dampierre. Tu vois, là, des tout petits ralentisseurs. On les sent vraiment, ça fait vibrer les sièges. C'est dommage. Là où Mercedes a fait quelque chose de très fort, c'est que tu peux vraiment tout régler sur cette voiture. L'échappement, les suspensions, les AMG Dynamics, la boîte de vitesse, soit en auto, soit en manuel, et la réponse du moteur. Et en fait, les AMG Dynamics, ça contrôle principalement l'ESP et l'antipatinage. Et comme je vous l'ai dit au début de l'essai, la voiture est dotée de 4 roues motrices, donc le 4MATIC Plus, mais qui a un 4 roues motrices et débrayable. Donc déjà, on peut envoyer de la puissance sur l'avant, sur l'arrière. Ça, c'est un 4 roues motrices variable. C'est vachement intéressant parce que, en fait, la voiture, c'est plutôt une propulsion, et quand la
et quand tu accélères un peu fort et qu'il y a besoin de plus de traction, si la route est humide, etc., ça va envoyer de la puissance sur les roues avant et ça va accélérer tout simplement beaucoup plus fort. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent ces voitures, les RS6, les RS7, les BMW M5, etc. Et en fait, tu as 4 roues motrices, mais du coup, tu peux plus faire de gros drifts fumants à la Chris Harris si tel était le désir que tu avais en achetant cette voiture. Mais en fait, avec celle-ci, tu mets en mode race, tu enlèves un coup d'anti-patinage, tu tires les deux palettes, tu valides avec la palette de droite, et là, la voiture se transforme en pure propulsion. 612 chevaux, 850 Nm de couple, uniquement sur le train arrière. Et c'est pas une propulsion où le 4 roues motrices va se remettre en route quand tu commences à glisser. Là, ça reste vraiment en propu jusqu'à ce que tu réactives le système ou que tu changes de mode. Et ça, c'est ouf. Chris Harris dans Top Gear l'a très bien démontré. Moi, je suis pas sur circuit, je pourrais pas vous le montrer. Mais en gros, si je vous fais un départ arrêté en propu, je crois que ça patine jusqu'en 9e. C'est un truc de ouf, cette caisse. Bon, allez, assez parler, assez tergiversé. Ouh, Sport Plus. Allez, petite déflagration là déjà, ça promet. Ah, et c'est comme dans la AMG GT63, on entend le coucha des turbos. Wouah, boîte à simple embrayage automatique. En fait, de l'extérieur, la sonorité est plutôt discrète à cause du fab, mais ils ont réussi à l'amplifier à l'intérieur. Écoutez comment ça grogne. Et la boîte répond super bien. Bon, passage obligatoire, petit muret. On va écouter la sonorité, la vraie sonorité extérieure en fait de ce... Ça se fait vite, hein. On va mettre un petit coup de neutre. Ça pète un petit peu moins fort, j'ai l'impression, que dans la AMG GT63. Allez. Eh, ça souffle, hein. Non, quand même, je retire ce que j'ai dit, l'échappement, il gueule. À haut régime, c'est un petit peu, je trouve, ce qu'on retrouve dans une RS6, une RS7. Mais à l'intérieur, par contre, c'est beaucoup plus présent. Et la nervosité. On dirait qu'elle veut tout bouffer, la voiture, là. Oh là 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 là. Ça accélère quand même, je trouve. De manière plus violente, plus féroce que ce qu'on a du côté RS chez Audi. Ça ferait passer une RS6 ou une RS7 pour quelque chose d'un tout petit peu plus feignant, c'est dire. Oh là là. Boîte à 9 vitesses, du coup les rapports sont assez courts. Un tout petit peu de sous-virage là en sortie de courbe. Du coup tu peux vraiment jouer de la boîte de vitesse. À aller vite, ces suspensions dures, bah, elles prennent tout leur sens, c'est hyper efficace. J'adore. On va mettre la boîte en mode auto, on va faire un petit départ arrêté, hein, 0 à 80, voir ce que ça donne. C'est... Waouh! La voiture détecte toute seule que tu fais un launch control, donc elle se met en race start, t'entends les turbos qui se chargent. Oh là là, et ces rétrogradages, ils sont nets. Ça s'arrête, mais on sent qu'on a pas loin de 2 tonnes quand même. Ça s'arrête pas aussi fort qu'une voiture légère. Hein. Light is right, comme on dit. C'est peut-être pas une voiture que t'emmèneras sur circuit pour claquer un chrono, mais par contre sur des routes secondaires, quel kiff. Mais ce côté très sportif et en même temps son plus gros défaut. Là où je voulais en venir, c'est que voilà, au quotidien, en ville, pour des petits déplacements assez raides,
Alors peut-être que les suspensions avec des sièges normaux, ça irait, mais avec ces baquets, c'est vraiment raide. Mais là, on n'est pas sur un petit trajet du quotidien. Oh là 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 là, la boîte est géniale. Le volant, la jante est énorme, il tient extrêmement bien dans la main. La position de conduite aussi, j'en ai pas parlé, mais avec ces baquets, elle est excellente. Tu peux vraiment régler le siège, la colonne de direction comme tu veux. Tu peux t'asseoir vraiment bas et ce qui est sympa, c'est que tu as ici de la porte, tout le tableau de bord, ça fait un truc, quelque chose de continu. C'est plus juste un habitacle, c'est un cockpit. C'est juste extraordinaire. Une Audi RS, ça pousse pas comme ça à mi-régime. Vraiment qui se lance le moteur Volkswagen, alors que là, Mercedes, c'est beaucoup plus sportif. C'est pas une machine à perdre son permis, ça, c'est une machine à aller en prison direct. Bon, voilà, bilan de l'essai de cette E63S. Vous voyez, j'ai encore la banane. C'est ça pour moi, rien que ça, c'est un essai réussi, tu vois. Si une voiture te donne le sourire, c'est génial. La seule chose, je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est que je prendrai pas ces sièges baquets qui n'ont rien à faire dans une berline routière quand même, hein. C'est ça une classe E. Et les suspensions, du coup, ça reste à voir avec des sièges plus confortables si c'est acceptable. Mais sinon, quelle auto! Quelle auto! La qualité de l'intérieur, du système multimédia, c'est génial. La sono, elle est exceptionnelle. Je prendrais peut-être pas l'option à 5000 balles, mais c'est exceptionnel. 19 sur 20. 19 sur 20, il manque un point pour le confort, quoi. Mais sinon, génial. Voilà, j'espère que l'essai de cette E63S vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous prendriez plutôt ça ou une BMW M5? Parce que chez Audi, il n'y a plus rien en face dans les berlines. Audi fait plus la RS6 non break. Mais waouh, quelle claque! Ça, c'est vraiment sportif, les amis. Si vous avez des questions aussi, j'y répondrai dans les commentaires. En attendant, merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!